Les gars, c'est Nautovi, c'était juste pour vous dire que dans cette vidéo, du coup, il y avait un code promo 50 € offert sur Instant Gaming. Je tenais aussi à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Dans la description, les gars, il y a tous les liens. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et aussi, n'oubliez pas de vous inscrire, de créer votre compte Instant Gaming si vous voulez utiliser les codes. Voilà, c'est limité à une utilisation. Sur chaque vlog, il y aura un code caché de 50 €. Donc les gars, bonne chance à vous et bon visionnage de la vidéo. Vous êtes les boss et vive Instant Gaming. Bah les gars, on est en train de préparer les affaires. C'est l'heure. Moi j'ai tout préparé. Rendez-vous en Corse. Ok yo les potes, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est assez spécial, c'est voilà, je me lance sur YouTube, création de ma chaîne YouTube, première vidéo YouTube. Voilà, ça va être des vlogs assez longs. J'espère que vous allez kiffer. Je vais tout simplement filmer un peu les journées avec tout le monde à la villa ou en dehors pendant les activités. Voilà, j'ai envie vraiment de genre de vous donner l'impression d'être avec nous, d'avoir passé la journée avec nous, tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de vous emmener partout et tout, donc voilà. Surtout que je sais que toute la clique, je vais être le seul à faire des vidéos comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner les refs, vous êtes les boss. Wesh tout le monde, j'ai le seum de ouf, hier j'ai tourné un vlog toute la journée, il y avait 128 gigas de rush, j'ai filmé toute la journée, il y avait des bonnes séquences et tout, et en fait j'ai filmé avec la GoPro, mais la GoPro elle a un son de merde, on n'entend rien, je suis trop énervé. Du coup le vlog première journée, ben on va essayer de récupérer quelques morceaux, on a de beaux plans etc, mais on n'aura pas de vlog du premier jour. Je suis un peu dépité, mais après c'est normal, hein, on débute, c'est mes premières vidéos YouTube, le matos je le connais pas encore. Voilà, j'ai voulu me fier à la GoPro, mais GoPro c'est vraiment je pense que pour prendre des plans un peu sportifs, genre un peu extrêmes, du genre sous l'eau, ou quand on va faire du jet ski, mais c'est plus pour avoir des images et pas du son en fait. Parce que le son il est vraiment claqué. Bah du coup là je refais tout le vlog avec la caméra. Et voilà, donc du coup vlog deuxième journée, mais vas-y je vais me rattraper, je vais faire un vlog de dingue. Et ça va être lourd de ouf. Wesh les gars. Ouais, on est en train de nettoyer le jacuzzi. Tu crois qu'il y a un truc de fou pour le nettoyer? Ouais, justement, ouais. T'as pissé dedans ou quoi hier? T'es sûr, hein? Non. Surtout que Jean-Pormanov, apparemment, il est homosexuel. Ouais, wow, hier, hein? Putain, hier, je suis choqué là. T'as sa tub qui pendouillait. Et je vous jure, hier, JP, on s'amusait à lui dire tu bandes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas. En fait, il faut dire vraiment la vérité parce qu'en fait, Manon, elle lui a juste dit ouais, s'il te plaît, JP, est-ce que juste tu peux m'accrocher le truc? Donc, JP, il est parti derrière elle. Et je le voyais, il était sacom. Il était sacom, je wesh. Bon, tiens, bref, moi je m'en fous. Non. Il fait le truc, il bandait vraiment à ce moment-là. Et on, après, on a dit, c'est à ce moment-là, tu bandes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève son short. En fait, il a mis sa main comme ça, comme s'il allait sortir quelque chose, là, il a merde. Il a sorti sa top, ça comme. Et tu voyais les boules pendouillées. Oh là là. BK, il était choqué, les gars. Ah ouais, BK, ouais. Il a pas parlé pendant au moins une demi-heure. Ouais, il était là, il me regardait, il me dit, attends, ah, mais je suis choqué, il a vraiment fait ça. Moi, c'est quoi le programme de la journée, les gars? Là, on attend les courses. Ouais. Et on voit si on fait du jet ski. Hein, mais... Ouais, on attend du jet ski. Ouais, jet ski, c'est cool, hein. Pour le deuxième jour. Jet ski. Petite journée jet ski, là. Enfin, il les a appelés, mais est-ce qu'ils vont avoir les dispo? Les dispo limités? Ah, oui. Ouais, je pense que si, ouais. Tu vas sauter? Bah non, tu ranges la table ou pas là? Ah, voilà. Tu ranges, hein? Ah bon, faire des bronzettes. Fais-nous un plan, je sais. Regarde. T'as vu? Regardez, j'espère que t'as filmé, hein. T'as filmé ou pas? Ouais, elle est violente. Voilà. Elle lance les. Ah, ouais, du voilà. Et en plus, c'est celle du péninsula. Ouais, oula. Même, frère. Voilà. Tu te mets à la taille de la baleine, frère. Sale bâtard, ouais. Tu te mets à la taille de la baleine.
Il fait des vagues partout. Hein. C'est abusé. Est-ce que ça serait pas monsieur Jean Pormanov qui vient d'arriver? Eh oh. Non mais il était où lui? Non mais t'étais où toi? Ah, il était temps, c'était 2 heures en t'attendant. Va bah, niquer ta mère. Mais pourquoi tu m'insultes? Hein? Qu'on était? On était aux courses nous. Pour avoir mis du temps à rentrer, j'avais très très faim. Pose ça. Oh fils de pute, je te dis une chose, tu peux m'avoir très très faim, j'en ai rien à branler. Il y a des croissants que j'ai acheté à 28 balles là, hein? Carton jaune. Alors ferme ta gueule, tu peux pas dans ton tuyau dormir, d'accord? Carton jaune. Ferme ta gueule. Carton jaune à la villa. Il va se calmer le vieux. Ah la honte! Alors comme ça, t'as fait quoi cette vie? Alors que... Oh non. C'est non, Becca. Non, Becca, tu fais exprès. Hop là. Non, il a pas fait ça, le con. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Vas-y, raconte-nous en détail, ouais. Cette soirée, frérot. La note sur ta nuit de 1 à 10. Non, pas. 7. 7 7. C'est pas oh. Le meilleur coup, quoi. C'est, ouais, c'est pas celle qui... Bah, 7 sur 10, ça va. Allez, JP, qu'est-ce que tu dors 30 minutes par jour? Et alors? T'as un lézard? Ouais. C'est là qui me régénère. Vous dormez je sais pas combien de temps. Bah, comme des êtres humains, quoi, minimum 7 heures par jour. Ouais, minimum 7 heures, t'as ouais. Dormi au moins 12 heures. Et t'as dormi combien de temps en 3 jours? 3 jours, ouais, une heure à peu près. Bah, non, il a 3-4 heures max. Comment c'est possible, frère? Ce matin, j'étais avec ma musique en train de bronzer, tranquille, comme ça. Comment refaire, toi? Comme ça. Attends, j'ai pas vu refait. Bah non, t'as revu, c'est bon. T'es sûr? Non, je te fais une dernière fois. Non, tu vas faire une dinguerie, c'est bon. Faut pas me faire une dinguerie aujourd'hui. Parce que je vais vous enculer, quoi. Mais oh, t'as rien j'ai fait. J'ai vu la piscine pour moi tout seul, t'étais calme à mort. Personne pour m'emmerder, j'étais là, tranquille. Non, faut être gentil avec JP, il a acheté des croissants aujourd'hui. Ouais. 300 pour au chocolat. Okay. Ah, mais il est là, TK. Il est où ce gros là? J'imagine qu'il est proche du barbecue. Ah, voilà. Là, regardez, un gros ne quitte jamais son territoire. On va faire un barbecue, on va le nettoyer aussi. Hein. Ouais, on va manger quoi aujourd'hui? Côtelette et. Merguez. Et poulet, non, merguez, ouais. Ça saoule. Ouais. Poulet quoi? Escalope de poulet. Ouais, ils ont pris des escalopes de poulet qui régalent. Ça et les côtelettes, j'avais fait hier. Toi, tu marches avec tes chaussettes blanches? Mais c'est bon, frère, casse pas les couilles, elles sont mes claquettes, à chaque fois que tu me les tueras, ça pue. Ouais, vas-y, viens te baigner, Naruto. Tu t'es pas baigné depuis tout à l'heure. Je vais me baigner. Ah non. Je vais me baigner, je fais juste un zoom. Bouge pas. Dis une phrase du style, une phrase choc. Genre, laissez-moi vivre tranquille. Vas-y. Laissez-moi vivre tranquille et laissez-moi manger tranquille. Ah, viens, petit peu. Dis une phrase genre, les femmes, aimez-moi. Ouais, les femmes, aimez-moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, bah, je suis bien là. Attendez. Voilà, je suis bien. Je remets mon pantalon, mon short tranquille. Okay. Il est un peu trop grand que ça. Ouais, je vois. Il y a un couille qui part à droite et il y a une autre qui part à gauche. Ça, c'est un problème, ça. Il y a un problème. Est-ce qu'ils sont trop remplis, tu vois? Il y en a une qui remplit l'eau et l'autre, là, comme ça, ça fait. Il est en train de se passer un truc de ouf. Attends, Qu'est-ce que tu fais, Miguel? De quoi? Il est trop tout une boîte de préservatifs. Mais non. Mais pourquoi tu fais ça? On est sponsorisé par Durex. Qu'est-ce que tu fais? Bah, toute la boîte. Quoi, c'est la nostalgie? Ça peut mourir. Mais tu t'en es jamais servi? Je crois que je me suis servi un peu plus que toi, quoi. Non, ça m'étonne. Ouais. Raconte-nous ta première journée. Bien, franchement bien. Et ta matinée, là, tout ça, ça se passe comment? Pas mal, j'ai fait les courses. Ouais. C'était chiant. Ça fait du bien les vacances? Ouais. Ça fait combien de temps que t'avais pas fait de vacances comme ça? 3 ans. 3 ans? Mmh. C'était quand la dernière fois? Bah, c'était chez toi. Ouais, mais c'était même pas des vacances comme ça, là, c'est encore mieux. Je suis piscine tous les jours et tout, dingue. Ah non, c'est plus longtemps, ça fait 6-7 ans, quoi. Non, en fait, c'était Cap d'Agde. Ouais, c'est vrai, c'est une idée, ouais. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris des vacances comme ça. Mmh. On est bien là, hein? C'est clair. T'as vu le faucon? Il est trop beau, regarde, il est plié derrière le dos. Il y avait quoi? Un faucon. Mais là, il y a un gros con. Ta gueule! Je savais! Tiens, viens nous faire un tour de ta deuxième journée. Donc, deuxième nuit, j'ai vraiment super bien dormi. En sachant qu'hier, on a fait un beau resto, il était sympathique. Et là, aujourd'hui, j'ai hâte de justement faire le jet ski.
Là, on va le faire en groupe, donc c'est cool. Et ça nous permet aussi encore de vlogger cette deuxième journée. Et puis voilà. Okay. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, on n'a pas à se plaindre. Magnifique. Toi, c'est bien ou quoi? S'il dit qu'il est pas bien, je comprends plus rien. Hein. Ouais. L'allergie. Il se baigne. Il y a pire comme vie. C'est vacances, c'est pour ça, c'est vacances. On se laisse aller. Même Naruto a un gros baiser. Hein. Arrête de mentir. Je te mets dans la sauce. Là, Naruto, ouais, t'as vu Naruto quand il est descendu au dernier moment? Il a dit à la fille, attends, viens. Arrête de mentir, frère. Attends, t'es malade ou quoi? Non, hé, par contre. JP, hey, je vais continuer à le dire, je t'ai mis bien. Est-ce que toi tu sais ce que j'ai fait? Non. Moi je suis témoin. Hey, la meuf, tu vois, elle était en string dans ma chambre. Et genre, en string. Attendez, en string. Ouais. Ça veut dire, je lui dis quoi? Je lui dis, viens, laisse-moi appeler JP. Genre, tu lui montres et tu lui dis, ouais, t'aimes bien mon maillot de bain, JP? Elle me dit non et tout. Après, je dis, vas-y, comme tu veux. Après, elle dit, bon, vas-y, ramène-le. Je dis, JP, viens. Et là, j'ai à JP, ouvre la porte. J'ai à JP, ouais, ouvre la porte. Et là, c'est pas. JP il ouvre la porte, il va la meuf, elle monte son cul et elle dit ouais, t'aimes bien mon maillot de bain, JP? Il était choqué. Genre il fait ouais, bah pas mal, hein, pas mal. Avait... Ouais. Et après il est resté ou il est reparti aussitôt? Là il est resté, genre vite fait, genre pour bien regarder le maillot. Qu'est-ce qui se passe avec JP? Rien, comme d'habitude, je le fais chier et on rigole. Attends. Je viens de péter sur son lit. JP! Je jure, ça fout la pété sur son lit. Oh! Mais le cuistot, dis-nous, tu nous fais quoi devant là? Ouais, avec la bonne sauce barbecue après là. Il va se faire piquer le cul par la pièce. Non, arrête, enlève-la-moi! Enlève-la-moi! Elle est collée, toujours elle est bloquée. Vas-y, mais enlève-la! Attends, on va pas toucher le cul. Non, doucement! Vas-y, attends! Oh, mais il y a du miel ou quoi? Non, vas-y, s'il te plaît, vas-y! Vas-y, enlève! Doucement! Mais vas-y, oh putain! Oh, je te jure, bouge pas, elle est... Vas-y donc. Ça y est, wesh. Voilà, kékékékère. On t'a fouetté, mec. On t'a fouetté. Ça te fait bien rire, ça, Jean-Clope. Vas-y, tu cours. JP, apparemment, tu t'es vraiment, entre toi et moi, tu t'es vraiment branlé dans ma chambre. Mais qui ferme leur gueule, putain, je suis jamais branlé, alors fermez vos gueules. Commencez pas à me gaver, là. C'est pas moi qui a dit ça. Ta caméra de merde, là. C'est pas moi qui a dit ça. Mais pourquoi tu t'énerves? Eh les gars, mais pourquoi il y a de la tension là? Qu'est-ce qui se passe? T'as de la chance, c'est mon portable parce que tu le roules en pleine face. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on va prendre 350 balles. Vas-y. Tu me putes, moi, tu me frappes avec des billets. Il a mangé des gros kékés. Oh. C'est fini de Fabrice LGBT. Bah, dis-lui qu'il arrête parce que là, ça commence à me gaver. Arrêtez, wesh, les gars. Le pauvre. Cristiano Ronaldo, vas-y. Mais tu l'as envoyé aussi bas? Je pensais que t'allais plonger en bas, moi. Ouais, mais tu l'as envoyé trop bas. Putain! Ça va, frérot? Ouais. T'as déjà joué au foot? Mais deux secondes! Attends, je vais lui envoyer. Cette ligne mouillée. Allez. Je te fais confiance. Ouais, je vais faire un tout droit plongeant. Je te la mets là. Oh. C'est dans la boîte les gars. Là du coup là on est tous en train de grailler. Ah ouais, c'est un mec. Il fait bon, il fait chaud. C'est incroyable. Quelle vie de dingue. Ouais. Wesh. Et les gars, je suis en train de me défoncer des côtelettes, mais il y a des putains de guêpes, frère, qui mangent la côtelette avec moi. Je suis en train de péter un câble. Et du coup, regardez, on a réussi à trouver une boucherie halal. En Corse, et franchement la viande elle est incroyable. En plus franchement on va pas se mentir, TK il les fait trop bien, il gère de ouf le barbecue. Là c'est du poulet et là on a des petites côtelettes, franchement c'est un régal. Vous connaissez soit barbecue, soit algérienne. Ah c'est bon frère, on est trop bien, avec une belle vue. Là je vais finir de manger ça et je vais faire un petit plongeon dans la piscine. Et voilà quoi. Oh. Non. Attends. Allez. Non. Allez, ça fait du volet. Ici, on a des gens qui jouent au volet.
Et là, on a. Là, on a ça, quoi. Tu vois, JP, ouais. Pas dormir la nuit, ce que ça fait, mon frère. Je vais pas dormir, ouais. Tu veux pas aller en bas, te reposer un peu ? Je suis pas fatigué, là. Mais regarde, t'es pas fatigué, tu t'endors toute. La tête de WAM. Tu t'assois ici, tu t'endors. Tu t'assois là-bas, tu t'endors. Tiens, good. Hein ? Allez ! C'est quoi ? Mais non, mais allez ! Allez, dans la bouche ! Comment ça, dans la bouche ? Bois ! C'est bon ? Ah bah oui. Voilà. Oh. Attends, tour. Allez, j'ai un jambe. Non, il n'y a pas que ça, allez, vas-y. Bien, bien. Non, 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 une bonne gorgée, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est dégueulasse. Oh, j'ai un jambe poivre. Mais t'es un malade. Oh, frère, il y a de la mousse dans le jacuzzi. Mais tu sais, je sais pas ce que vous avez fait dans le jacuzzi, là. La team alcool. Ça va se calmer, ils sont partis. Sans partir à 5 dans le jacuzzi, il y a de la mousse et elle est jeune. Là, c'est sûr, il y en a un qui a fait genre, qui a renversé un verre ou quoi, non ? Pourquoi tu rigoles ? C'est les grands dents. C'est quoi que tu lui as proposé là, Becca ? Faudrait qu'il ouvre un compte à Nifan. C'est vrai ? Tu sais que t'es pas obligé de mettre. Quel style de. T'es pas obligé de mettre des photos sexy, frère. Photos de ses. Moi, je le verrais bien mettre une photo de ses pieds. Ton tibia. Non, regarde son tibia. T'as jamais vu un tibia pareil ? Regarde. Tu veux mettre des photos de quoi, toi ? Si tu fais un Nifan. Il se prend quand t'es rentré. Que dalle ? Ouais. Oh, mais s'il te plaît, regarde-le là-bas, le RP Gambert. C'est pas ce qu'il fait, on dirait qu'il est perdu. Moi, ça a abusé le. Ça va, frérot ? Ah ouais ? Non, le ventre. Oui. Le ventre qui touche la bite, c'est le max. T'as le corps d'un titan dans SNK. On dirait un titan ? Un titan. Un titan dans SNK. L'attaque des titans, tu connais pas ? Oh, tu peux nous faire une entrée de baleine ? T'es un déviant ! Ouais, c'est ça. Tu peux nous faire une entrée de baleine ? Ouais. Vas-y. Une vraie entrée de baleine. 1, 2, 3. Ah, les gars, là, on va tous se poser dans la piscine. Il est quelle heure là ? Il dure un truc comme 17h et quelques. Ouais. On va aller se poser chill dans la piscine tranquillement. Il fait encore beau, il y a beaucoup de soleil. Et voilà, là, on va tous plonger avec sa fille, on va plonger. JP, tu veux plonger ou pas ? T'es sûr ? Ah, je suis sûr. Ça veut dire non plongeons. Non, plongeons, c'est un carton jaune, ton ami. Au bout du deuxième, c'est un rouge. Rouge, tu sors de la villa, tu dégages. C'est bon ? Ferme ta gueule, nique ta mère et dégage. Ok, y'a pas de soucis. C'est souvent ça, les envies d'être. La main, moi. C'est pas possible. Elle est trop bonne, l'eau, sa mère. T'en penses quoi, Becca ? Ouais, tiens. Tu vas mouiller Damien, arrête tes conneries là. Mais c'est pas mon problème. Je vous montre un athlète. Vas-y, les gars, faut pas te prendre les comme au bled, comme un plongeon. Comme au bled. Genre plat du ventre. Le soleil après, il prend un truc chelou là. Ah, ils font ça. Prends ça. Ouais, ma gueule. Attends, j'essaye. Tiens, Becca, tiens. Attends, je vais essayer. Tiens, Becca. Voilà, il faut faire des trucs comme ça. Attends, tu conduis. Ils font la carte. Ça va dans la carte. Là, ils font un truc. Ah. Genre, ouais, je lui prends pas ça. Ouais, c'est ouais. Attends, je regarde. Ils arrivent à trop bien le faire. Attends, tu sais. Hein ? Ils arrivent à trop bien le faire. Attends, moi aussi je me sens. Allez, Damien! Attends, Damien! Gars, je me suis cassé la nuit! Je vais faire un plan! Non! J'ai fait un plat du dos, ça brûle! Ça a poussé, ça les mains! Non! Je suis en plan! Ah, Diawad, fais-nous un plan, Jean! Il s'est tué! Mais quel. Bah oui, il faut mettre plusieurs à-coups en mode. Oh, je la carte, je la carte. Ouais. Tu fais ça en l'air, regarde. Long droit. Oh, y a ceux qui le font en arrière, attends. Ah, je me suis tué ça, mais. Regarde, fini. En arrière. On laisse ça au bled. Attends, comment ils font en arrière? Elle prend pas de risque, c'est déjà enculé. Mais. Ouais, ça fait peur. Ah, oh, j'ai mal à mort. Ça fait trop peur. La plonge en arrière. Ah, elle est enculée.
Je me suis fait mal à moi. Ouais, t'as fait mal où? T'as dû faire plein de malades. Tiens, hop, là du ventre, c'est mon blé. Comme au bled. Fais attention au tsunami. Plop, plop, plop. Non, non, oh non, 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 sortez tous, sortez tous, sortez tous, sortez tous, sortez, sortez, plonge. Il a pas plongé, il a trébuché. Il a plongé comme ça. Ah, oh, JP, allez, plonge. JP, vas-y, s'il te plaît, non, surtout pas JP. JP, JP, s'il te plaît, JP. Allez, JP, allez, JP, allez, JP, allez, JP, allez, JP, allez, JP, allez, allez, mon gars, on va chercher, on va chercher. Alors, commencez pas à me garder les couilles. Ne coupez pas, parce qu'il a fermé vos gueules. On voit bien. Ah non, tu sautes pas, on va te pousser. Ouais. Allez, on va chercher, JP. Bouge pas, ça, bouge pas, ça. JP, calme-toi. Allez, JP, s'il te plaît, pour le vlog et tout. Vas-y, je peux pas. Avec vous, je peux pas être sans tout 5 minutes. Allez, 5 minutes. Mais depuis tout à l'heure, t'es tranquille. C'est un mytho. Après, c'est pour ça, c'est à cause de lui. On voit que c'est un mytho. Depuis tout à l'heure, on le laisse tranquille. C'est un gros mytho. Allez, saute. C'est le premier truc qu'on lui fait de la journée. On lui a rien fait. Allez, j'y vais, s'il te plaît. Je fais comme tes camarades. Je fais comme il a fait. Voilà, vas-y, vas-y. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez. J'y vais. On est dans la merde. Partez, partez, on est dans la merde. Arrête, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, JP. Il t'a pas mouillé lui. J'ai rien fait. Wesh les gars, là il est 18h et c'est le moment un peu où tu sais, les gens ils font, genre on fait la sieste, on se repose un peu, etc. Et là on va voir quelque chose d'incroyable. Nous allons voir une espèce disparue. Si vous vous demandez pourquoi JP il est comme ça là, c'est à cause de sa montre. Bah... C'est à cause de ça, regardez. Pourquoi tu veux le remontrer? Oui, mais le tien, c'est que tu vas. Tabou! On cherche Tabou! Ça va, JP? Oh, est-ce qu'il faut lui faire un rêve et tout? Est-ce que la vengeance, elle sera salée ou pas? Oui, non. Hein? Comme on dit chez nous, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid ou pas? Ouais, t'inquiète pas. Eh, c'est lui, moi j'ai rien fait, ok? Commence pas à te projeter sur moi. Moi, tu vois, j'ai rien fait. Tu m'as réveillé, je t'ai rien fait encore. Ah, moi je te dis, c'était l'idée de qui? C'est mon idée, j'avoue. Et aussi, il y a TK dans le coup. Il y avait TK dans le coup. En tout cas, le cerveau, c'était pas moi. Allez, non, mais le cerveau, c'était moi. Mais il était avec moi. Pour l'équipe, on est en mode vlog. On est en mode vlog, vlog, vlog. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Bref, là on sort, on va manger au restaurant. Il est 19h42, on va au restaurant, on va sur le port de Porto Vecchio. Et du coup là je vais m'habiller. Contrôleur, t'étais temps qu'on met son gros. Non, je sais pas comment je vais m'habiller. Et je vais voir, je vais essayer de me mettre en mode chill, tu vois. Tranquille, tu vois. Et puis voilà, et là on a une belle petite meuf qui se coiffe. Là, je suis prêt, je suis habillé, je suis beau gosse. Il est pris, il est habillé, il est beau gosse. Et là, on va où? On va sur le port, on va faire quoi? Manger. On va manger. Et est-ce que tu vas choper de la meuf ou pas? Ce soir, c'est ton soir. C'est bon, c'est bon. Vas-y, je t'attends en bas. On s'habille. Ok, let's go. Je rejoins l'équipe, ils sont déjà tous prêts. On est en retard comme d'habitude. Mais vas-y, ça, c'est qu'un détail. C'est où, Safine? Il arrive. Salut. Ah, frérot, depuis tout à l'heure, vas-y, là. Ta gueule. Chaud, là, putain. Ta gueule. Là, voilà, que des rebeux pour faire des trucs comme ça. Appuie sur média. Je suis en mode zoomé. Attends, attends. Ah, c'est bon là. Oh, fermez tous vos gueules. Voilà, t'as vu, t'as mis Diamond en colère. Wesh, on vient d'arriver. Eh, big conflit, les gars, big conflit. Parce que nous, les gars, on mange pas la viande. Nous, on mange halal. Ici, y'a pas de restaurant halal. C'est compliqué. Du coup, là, on est un peu dans la merde. Eux, voilà, ils sont placés, tu vois, ils vont se péter le bide. Ils vont manger du poisson et tout.
Mais nous, on en a marre du poisson, on n'aime pas le poisson, tu vois. Nous, on veut manger des gros burgers, des gros kebabs, tu vois. Du coup, là, ça se peut, on va se séparer, on va laisser ce groupe-là manger au restaurant. Et avec Becca et Safine, on va aller rôder dans la ville et on va aller manger. Les gars, vas-y, au pire, tranquille, on fait comme ça, vas-y, on sépare nos groupes. Bon, les gars. On se retrouve après. Vas-y, les frères. Il se peut qu'on a trouvé ce qu'on va manger, les gars. Un snack qui s'appelle VO, apparemment c'est halal. Donc on va là-bas, on va guetter, tu vois. En vrai, Porto Vecchio, t'as vu, ça va, c'est bien et tout. Enfin, notre ville là, elle est bien, mais genre la ville, elle est assez petite. Genre pour manger, t'as vu, quand tu manges halal, y a rien en fait. Ça y est, c'est trouvé. C'est officiel. On a trouvé. On va pouvoir manger. Vas-y, maintenant, il faut qu'on s'installe. On va prendre des minces de poulet. Ouais, c'est halal, des minces de poulet avec des pommes de terre sautées. J'espère qu'ils ont des bonnes sauces, moi. On va goûter, on vous dira ça. Je crois que c'est... Il y en a que deux, hein. C'est lui ou un autre. Et le skip, c'est copieux. Du coup, on va tester, les frères. Arrivez, les gars. Vous attendez. Allô, bien, bon. Donc, de vrai, ça sent bon. Ouais, vraiment, ça sent bon. On a tous plein de choses. Merci, Pierrot. On va reboucher. C'est neuf. Voilà, c'est bon. Vas-y. On dit, comme tu dis à chaque fois que tu dis RP. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Allez, vas-y, les veufs. C'est pas mal. Alhamdoulilah. C'est parfait. Du coup là les gars, on va bientôt arriver sur une fin de vlog. Ouais, je vous aurais partagé un peu toute la journée. On va revenir aussi sur un point les refs. N'oubliez pas que nous c'est nos premières vidéos, on se lance sur YouTube. On n'est pas des mecs de YouTube de base, tu vois, nous c'est un peu Twitch notre terrain de base. Et du coup, voilà, on n'a pas encore toutes les techniques secrètes, comment faire un bon vlog, le bon matos, etc. Le bon son, comme vous avez pu le voir. Plus on a des problèmes de connexion. Du coup, voilà, soyez indulgents, surtout que c'est notre première vidéo, enfin pour moi, pour ma part. Oui, bonjour. On est de retour avec les mecs chic. Ah, l'épaule. Oh, l'épaule. Soleil. Vous avez mangé quoi? Soleil. Aïe, poète. Vous avez mangé quoi? On a mangé émincé de poulet avec pommes de terre. C'était halal, c'était très bon. Ça, c'était où? Ouais, c'était un restaurant chic, bonne ambiance. Voilà. Voilà. Pour la prochaine fois. Ouais. On le saura. Mais quel a mangé quoi lui? Pareil, on a tout fait pareil. Émincé de poulet avec pommes de terre. Nouveau garde du corps de la team. Ouais, garde du corps pour nous. Ok, vas-y, mange-moi tes biceps. Ok, toi, mange-moi tes biceps. Et moi. Allez, ça va pousser. Je peux te montrer. Je passe dans la vidéo. Ouais. JP, lui, t'as vu en vrai. Regarde ce qu'il a de dire. Je te mets une balayette avec tes jambes de baguette, je te mets une laser, tu tombes de suite. T'as entendu ou pas? Merci, regarde. Oh, tu l'auras pas. Okay. Qu'est-ce qu'il a gueulé le quarantenaire là-haut? Pourquoi t'es énervé? C'est mon chargeur. C'est lui, il a caché d'abord. Je voulais pas t'adonner. Qu'est-ce qui t'arrive le quarantenaire là? Chargeur. C'est le mien, c'est pas le tien. T'avais pas de chargeur, moi. Alors ferme ta gueule, maintenant tu vas me donner mon chargeur, point final. Tu te calmes, mec. Tu dis au but, j'ai pas de batterie. Arrête, fais voir comment c'est la batterie. Comment on va faire? Aïa, comment on va faire les gars, il a plus de batterie. Qui? Oh, vous me gavez, c'est les couilles, c'est bon. Je vais pas crier. Va t'enculer. Va t'enculer, c'est bon. Mais pourquoi tu mets dans tous ces états le quarantenaire? Mais pourquoi tu te mets dans tous tes états, frère? Il veut t'enculer. Mais t'es un malade, tu réagis comme ça, pourquoi tu mets dans tous tes états? Le chargeur, je vais le prendre pour qu'il n'a. Mais il est malade ce mec. Oh, jette là. T'es un homme, vas-y. Jette-la. Ah, je rigolais. Ah, habillé, let's go. Putain, mais qu'est-ce que tu te fais foncer? Elle est bonne, quoi. Ah, il a poil. Ah, je vois. Ah, il a poil. Ah, il se branle là. C'est pas méchant. Allez, vas-y. Attends, viens au fond.
Vas-y, un. Mais je suis déjà mouillé, ça sert à rien. Voilà. Ouais, j'ai pas, t'as trouvé ton chargeur. T'as trouvé ton chargeur. Non mais j'ai pas, t'as vu ce qu'ils m'ont fait. T'as vu ce qu'ils m'ont fait là. Ah, tu sais où ton chargeur? Il est dans ta chambre, je le sais. Bah non. Ça m'étonnerait. Je l'ai re-rangé, j'ai besoin de. Dans la chambre à Safine, juste à côté de son lit. Ouais, je sais. Non, tu rentres pas, t'as allumé ta clope, tu rentres pas. Tu rentres pas, t'as allumé ta clope. Ma clope, elle est pas allumée. Hein. Bah, tu rentres pas avec la clope dans la bouche. Et en plus, c'est ma chambre, c'est assez personnel, donc tu rentres pas dans ma chambre, merci. Oh, Manon, tu vas moins de mon chargeur. C'est lui qui va fermer ta gueule. C'est lui. De toute façon, tout ce qui est à toi est à nous. Enfin, nique ta mère. On va commencer pas à me gaver les couilles. D'accord? Comment tu fais pas me garder les couilles? Parce que les mecs, je suis fatigué, il faut rentrer. Maintenant, tu es fatigué, tu vas te coucher, gros. Est-ce que c'est un ordre? Parce que si c'est un ordre, je vais me coucher. Ouais. Ah, parce que. Voilà, si c'est un ordre, j'y vais aussi. Est-ce que t'as envie d'aller dans l'eau? Ferme ta gueule. Les AF. Parce qu'on peut te jeter dans l'eau. Ah, vous les ZF. Mais va loin, t'as raison. Les AF, elles pas Chico. Vas-y, moi, je vais aller voir le gros. TK. Tu peux venir à côté de toi, TK? Ouais, carrément. Viens, viens, TK. Viens. Non. On se fait une triplette. Ah ça fait pas mal. Tu peux sortir ou pas? Non. T'es pas en string? Bah si. Bah non, tu sors pas. Non, mais il filme en plus, non. Mais moi, je sors, hein. Non. Il serait peut-être temps d'acheter des nouvelles chaussures, non? Ouais. Parce que là, c'est plus des chaussures, je peux les filmer. Là, c'est des pantoufles. Oh, l'état des baskets. Non, TK, t'es sérieux? Mais TK, mais pourquoi tu n'achètes pas des autres? La gueule, c'est mes chaussures préférées. Je me sens bien là-dedans. Mais c'est normal, tu vas en coaching, on t'achète une paire tous ensemble. Ouais. Non, ça deviendra ta paire fétiche. Non, je le mettrai jamais. Oh, JP, à part entre les quatre couilles. Ah, ça fine. Et JP, venez donner votre avis sur un truc. Viens rentrer, JP. Attends, je filme ma clope. Vas-y, je te couche. Non, mais c'est pas grave. Rentre 2 secondes. Ah, j'ai jamais dormi avec tes câbles de toute ma vie. Ouais, je l'ai fait, c'était bizarre. Je te donne ma place, je dors toute seule dans ton lit en bas. Non. Tu dors avec qui, ça fine? Oh, t'as une baignoire. Aïe. Il faut échanger tes câbles, franchement. Merci, ça va, JP. T'as vu, c'est mais je me sens bien dedans. Oui, mais tu changes, tu prends les mêmes. Ouais, c'est quoi les sabots? C'est des pantoufles. Là, c'est abusé la gueule des sabots. Elles sont plus vieilles que JP. Elles sont dans un sale état. Pourtant, JP est dans un sale état aussi. Mais je suis en JP. Mais tu vas rester pour faire quoi? Vas-y, on regarde. C'est balader. Mais balader pour faire quoi? C'est quoi ton entend rien l'objectif sur honnête? Je sais pas. Arrête, gros. Toi, tu voulais rester dehors pour faire quoi? Qu'est-ce que tu recherchais? Des meufs, voilà. On aurait pu rester 72 heures. Mais arrête de mentir. T'aurais rien changé. Et ferme ta gueule, c'est bon. Tu sais, j'aime bien quand vous faites ça, quoi. Vous êtes une bande de fils de putain là, que vous êtes. Là. Toi, tu t'en branles, t'as une meuf. Toi, tu t'en rien à branler. Toi, t'es. Ouais, vas-y, basta, j'en ai rien à foutre, c'est tout, point. Voilà. Et tu pensais qu'en restant. Mais je sais pas, on est tout le temps là, quatre murs, voilà, en prison. Ça, c'est bon. La prison, ça. C'est une prison dorée, mais. Ça, c'est la prison. Moi, je veux voir du monde, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux voir, frère? Mais est-ce que j'ai envie de te voir? Ouais, vas-y, c'est bon, commence pas à me gaver, c'est bon. En fait, t'as juste les couilles pleines, t'as juste envie de te vider les couilles. Ah, c'est bon. C'est les couilles qui parlent, c'est plus la tête, tu veux rester dehors pour choper des meufs. Oh. Faire des nouvelles connaissances. Je sais pas. Parler avec des gens, profiter un peu. Moi je t'aime bien JP. Mais si je peux te donner un conseil, c'est. Force pas le truc. Qui va se baigner là? Moi je vais me baigner, frère. Elle est trop bonne en plus pour vraiment. Qui ça? L'eau. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il a dit quoi? Vous voulez faire quoi? Il va s'envoyer la sauce? Il va se LeBron James? Non, moi je sais ce qu'il y a. Est-ce que tu vas te mettre sous ce bourrat? Hein? Tu vas te mettre. J'ai bon un coup. Une petite mine, c'est ouais, c'est bon, t'as pris ta décision. Ce soir, c'est la mine atomique. Mine atomique, rien à branler, il me fait enculer. Oh les gars, vous avez entendu? Il me fait enculer, gros. On peut pas sortir. Mais. Putain, je te jure. Je sais pas, je suis tout le temps être entre couilles, gros. Sérieux? Tu veux être entre vagin? Toujours entre couilles. Mais t'as pas compris, frère! Toutes les meufs que t'as tchatchées sur ces 5 dernières années, c'est tes meilleurs amis, frère! Et alors? C'est gavant, quoi. Non, mais frère, c'est un fou! Il veut prochaine fois, je t'attache pas, j'ai dit direct. C'est ami, ça dégage. T'as dit quoi? Ouais, non, mais ça, tu le sais pas au début. Alors, moi, bah, tu peux tous les next alors. Ah, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit ce soir, il en a marre, il se met broncha. Il a dit ce soir, il envoie la dose. Je vais chercher mon téléphone, on trouve une escorte. Ouais. Ah, voilà, moi je vais te dire un truc, Jean-Paul Manoff, l'alcool n'est pas une solution. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu prends l'oreille. Tu te prends l'oreille ou quoi? Un trou, c'est un trou. Bah, hein. C'est super vrai, quoi.
Bref, les gars, fin de vlog, fin de journée. J'espère que vous avez kiffé ce format de vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va tout faire pour que les prochaines soient meilleures. Et on va s'améliorer de dingue. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de filmer cette journée. Voilà, petit vlog de qualité, Inch'Allah. Et je vous aime fort. Gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, dire zabbi, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous kiffez. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.